Oh mon amour! Que pensez-vous du fait que nous déjeunions dans l'un de ces restaurants chers pour fêter votre anniversaire aujourd'hui? Oh bébé, je sors déjeuner avec mes amis. D'accord, mais vous avez dit que Gabriella ne pouvait pas et que l'autre ami ne t'a plus parlé. Oh, mais j'ai d'autres amis, non? D'accord, mais je n'ai jamais vu vos amis là-bas. Oh, vous me posez tant de questions, pourquoi? Vous vous méfiez de moi, n'est-ce pas, moi, hein? Non, non, je ne suis pas. Tu sais que je te fais confiance. Eh bien, allons-y, vous pouvez y aller déjeuner avec vos copines. Et pendant ce temps, moi et notre fils, nous allons préparer la maison ici pour une fête. Endossement, je vais me préparer. Je suis désolé papa, je ne voulais pas te rendre triste. Pas de fils. Pas besoin de s'excuser, non. Ta maman qui ne devrait pas faire ces choses, hein. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Je pense qu'on va y aller. Achetez-lui un gâteau d'anniversaire. Et nous en profitons pour vous acheter une meilleure tenue. Qu'en penses-tu? Eh bien, allons-y. Alors, allons-y. Je pense que c'est Fabiana. Mais allez-vous lui dire ce que vous avez découvert? Je ne sais pas, fiston. Ah. Salut Fabiana, je suis contente que tu sois venue. Entre. D'accord, et où est Tullio? Oh, lui. Il a une réunion de travail en ce moment. Quel dommage. Allons-y. Allons-y. Waouh, Dalton. La décoration est tellement belle. Merci. Malna a de la chance de vous voir en famille. Vous devez être si heureux. Je ne sais pas combien. Qu'en est-il du reste des invités? Puis, Tullio dit qu'il arriverait vers 3 heures. C'est bizarre. Il m'a dit qu'il arriverait vers 4 heures. Salut, Fabiana. J'ai quelque chose à vous dire, et c'est ennuyeux. Oh, mais dis-moi, que s'est-il passé? Asseyons-nous, s'il vous plaît. Eh bien, Fabiana. Cela peut sembler absurde ce que j'ai à vous dire, mais... c'est la vérité absolue. Mais... dis-moi bientôt, je suis devenir nerveux. Tullio et Malena, ils ont une liaison. Oh, d'accord, j'ai compris. Vous vouliez me faire une farce, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment des clowns. Mais vous pouvez dire à Tullio que cela n'a pas fonctionné. Non, Fabiana, je ne plaisante pas, non. Mon fils Enzo les a vus tous les deux ensemble. Dalton, ce n'est pas possible. Tullio même. Moi aussi. Il m'a fallu du temps pour y croire parce que Tullio est mon meilleur ami. Et Malena. C'est l'amour de ma vie. Mais, malheureusement, c'est vrai. Je comprends déjà ce qui se passe. Tullio a toujours dit que vous étiez toujours en compétition avec lui. Pénible, rétrogradez-le. Mais, waouh, je ne pensais pas que tu étais si petit, Dalton. Non, Fabiana. Le pire aveugle est celui qui ne veut pas voir. Si tu penses que je mens vraiment, je vous invite à rester et à... je vous prouve que tout ce dont je parle est vrai. Dalton n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Jamais. C'est une vraie claque. Quelle heure est-il? 3h30. Il faut que j'y aille. Mais déjà? Oui. Dalton va m'organiser une fête. Vous avez oublié? Après tout, tu pourrais y aller. Ce serait excitant pour nous deux là-bas, ensemble. Je vais. Je meurs d'envie de voir le visage de ce cocu.
allez. Mets-toi devant, j'irai. Volonté. Surprendre. Je pensais que c'était ma femme, désolé. Oups, mon ami. D'accord? Alors, tu es venu. Avez-vous vu ma femme en cours de route? Pire que ce que je n'avais pas vu. Et comment s'est passée la rencontre, l'amour? Réunion? Quelle réunion? Oh. La rencontre? C'était calme. Tullio, je dois te demander quelque chose. Et j'ai besoin que vous soyez sincère à 100%. Me répondre. C'est vrai que vous... Les gars, ma mère arrive. Tullio. Cache. Surprendre. Oh mon Dieu, que c'est beau. Oh, je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait tout ça. Tu n'as même pas encore vu l'autre partie, mon amour. Waouh, j'ai adoré. Puis-je ouvrir mes cadeaux? Non, calme-toi. D'abord un toast. Puis, je veux proposer un toast. Tout d'abord, mon ami Tullio, que je considère comme un frère. Et, toute ma vie, je lui ai confié. Maintenant, le deuxième toast. Ma femme. Bien-aimée. J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour la faire sourire. Et c'est ce qui m'a donné mon plus beau trésor. C'était mon fils. Pleurage. Mais mon amour... Pourquoi parlez-vous ainsi? Sur ce ton étrange, c'est comme un adieu. Aujourd'hui est un jour de fête. Et puis-je ouvrir mes cadeaux? Non, calmez-vous. Nous avons une autre surprise. C'est un mensonge. Alors expliquez-le. Bébé, pour l'amour de Dieu, c'est l'assemblée. Un montage, hein? Et quel beau montage! Vous êtes fou? Fou êtes-vous? Dire qu'on ne connaîtra jamais ton cas, hein? Bientôt toi, hein, Tullio, mon meilleur ami? Je ne veux plus jamais te voir devant moi. Bébé, je peux expliquer. Expliquer au tribunal. Bébé, ne me fais pas ça, bébé. Salut. Tullium. Non, tu ne partiras pas d'ici avant ton cadeau. Oh, mon amour, tu m'as pardonné. Allez, vous pouvez l'ouvrir là. Qu'est-ce que cela signifie? C'est la valise et vos vêtements. Pour que vous sortiez d'ici. Mais, mon amour, je suis désolée. Pardonne-moi. J'ai regretté ce que j'ai fait. Va-t'en maintenant. J'ai regretté ce que j'ai fait. Pardonne-moi. Allez-y maintenant. Mais Dalton... Maintenant. Je t'aime, papa. Ça va bien se passer. Je t'aime aussi, mon fils. Ça va bien se passer, oui, voyez-vous,